Bonsoir les amis, excusez-moi, ben nous voilà encore pour une petite expérience urbex. En fait, ici nous sommes près d'où on réparait apparemment les wagons, c'est ça? Les wagons de chemin de fer. Donc on va aller voir ça. Encore un chiotte, hein? Ben ouais, il en faut. Hein. Là. Un petit hangar. Ah ben, je vous suis. Hein. Si, si. Écoutez. Ah ouais. Vous voyez les rails. C'est grand quand même. Donc c'est une petite vidéo qui va durer 10 quarts d'heure, 20 minutes. C'était juste pour vous montrer. Regardez ici, vous avez une fosse. Ah, il y avait longtemps. Ça, c'est une biroute. Il y a longtemps que c'est à l'abandon, ça. On dirait une quinzaine d'années. Ah, quand même. Wow. Hey, qu'on habitait plus même. Au Rouge, je crois que c'était déjà plus d'actualité, je crois. Ouais, ouais, presque 20 ans, je dirais même. Ouais, on va dire 20 ans, c'est pas ouais, sûr. Ouais, plein d'années. Moi, c'est une expérience peinture. Toujours la fosse. La fosse, elle a été bouchée, là. Non, je ne pense pas. Et les gens descendaient dedans. Ils allaient quand même travailler. Les wagons, hein? Le wagon, je pense que ça, il y a que... Non, ça ne se levait pas ou quoi. Du coup, le wagon était sur les deux. Ah, c'est gars ici, oui. Ouais. Si c'était un peu plus profond. Non, ils ont bouché un petit peu. C'est où ils réparaient les wagons. Donc maintenant, ben, on répare plus les wagons. Quand ça va plus, mitraille. Et on rachète nouveau. Chez les Chinois. Chez les Chinois. Oups. Hop. Il tombe. C'est la toiture qui craque, oui. Gracias.
une vieille télé. L'ancêtre. Ça, c'était l'ancien bureau du contremaître. Tout ça? Ah! T'as vu, tu crois, une toile d'araignée dans la gueule. C'est le bâtiment qui travaille. C'est pas un pare-choc bagnole, ça? Ou un tableau de bord. Les gens, c'est... Christian, pour t'agresser. Ouais, ouais. Christox. Bon, il m'y ferait jamais à ton... Oui. Ah ouais. Attends, je vais remettre. Voilà, ça on verra mieux. Du coup, le... Ouais, bien que c'est pas les radiateurs, mais c'est le cuivre. Hein. De toute façon, il y a un trou, hein. Il y a un morceau de poutrelle. C'est fou, hein. On a un shot, hein. Ça bouffe de la batterie à mort. Hein. Ah ouais, regarde, ça bouffe de la batterie. Pouh. Je vais repasser en normal. Hein. Donc c'est réparer les wagons ici, hein, une ligne de chemin de fer qui va jusque... Non, c'est un cul-de-sac ici pour les wagons qui repartaient par là, derrière. Et de là, qui repassait sur la ligne de chemin de fer qui était là, qui n'existe plus. J'entends du bruit, hein.
Oh, il y a des boules. C'est une question. Quelques-uns. Hein. Il n'a rien. Oh, mon Dieu. Un siège de bagnole. Faire un petit peu les cabanes, après c'est tout, on montre si tu veux. Ouais. Ben ouais, j'en ai fait attention à ça. Je n'ai jamais fait attention qu'il y avait un éclat. Déjà fou. Ouais, tiens, un barbecue. Un barbecue. Ouais. Pas sûr qu'on utilise des barbecues, mais bon. Bah, peut-être un saleté lourd. Ouais. Une forge. Les vestiaires, ça. Ah ouais. Ouais. Tu veux les vestiaires? Tu sais, maintenant, tu aurais une usine ainsi, Corotte, que tu aurais la délégation sur le dos. Un atelier. Ils en vendent maintenant des sapins de Noël à l'envers. Ouais. Ouais, ils en vendent au commerce. Ouais, ça fait design. Hein. Ah. Ah. Les chiottes et les douches. Encore un siège de voiture. On va peut-être trouver la voiture. Hein. Oh, un écran plat. Un écran plat. Christox. Des jocks. Christox. Tu veux pas un écran plat? Un écran plat, mais qui est plus très plat maintenant. Ouais, bah, c'est des petits WC, hein. Tu dois le curter là-dedans. L'hangar lui-même est corbon. Hein. Ouais, peut-être que. La structure métallique, tout cas. Peut-être remplacer les carreaux mieux. Ouais. Bon, sinon, allez, celui qui veut se lancer dans quelque chose. Ouais,
Allez, on va y voir l'étage. En fait, c'est une ancienne industrie où ils réparaient les wagons de chemin de fer. C'est grand. Ici, nous sommes à l'étage. Vous voyez, c'est grand. Ici, à mon avis, c'est le réfectoire. Une salle de réunion. De spectacle. Il n'y a pas d'homme. Ouais. Non, ça, c'est quand le patron a annoncé aux ouvriers qu'ils avaient leur pince à l'œuf. Ouais. Ah ouais. C'est grand quand même. Hein. Ouais. Franchement, je ne croyais pas que c'était. Allez. Celui qui a l'argent, il rachète ça, il fait quelque chose dedans. Hein. Une carrosserie ou une chaînée, mais. Oui. Il va plus ? Il ne vient pas, non. Ils ont coupé l'électricité. Ouais. Un ancien ascenseur, encore avec une tirette là. Gracias.
Tu vas en dessous, non? Ah, il y a un escalier ici. Téléphoner. Une chaudière ici. Non, ça c'était l'ascenseur. Dans les caves de l'usine. La chaudière. Une pompe. Ça c'est une pompe. Une pompe bigar. Tchut. Attention, hein. Le reste est fermé. Alors, on va fermer la porte. Il est marqué, donc, pour faire. Tchè. Eh ben. Ça, c'est de la citerne. Et s'il y avait quoi de là? De mazout? Je vais sortir facile, le SNCV. Il y a encore une autre, un autre truc là-bas, j'ai pas été voir. Une autre pièce. Ouais. T'as été par là? Ça c'est l'ascenseur ça. T'as vu les champignons là-dessus? Oh, les champignons. Non, non, la mérule, c'est des gros champignons. Hein. C'est des gros champignons cons. Hein. C'est pas trop comme ça. Donc, en fait, dans les caves, c'est tout ce qui est chaufferie, c'est tout ce qui est. Truc à mazout, quoi. Ouais.
Non, c'est pas la meilleure, ça. Ben, vous ne m'avez peut-être pas touché quand même. Non, on ne sait pas ce que c'est. Ah, on va voir monter. Ah, il y a encore un truc là. En bas. Il y a quoi, quelque chose là-bas, non? De toute façon, parce que le bois, il crée des pourris. Presque plus de batterie, moi. Bon, on va aller. Parce que tant que la batterie se coupe, hein. Oups, attention, hein, c'est. Qu'en faire? Presque plus de batterie. Je ne sais pas jusqu'où je pourrais aller. Ah ouais, j'ai vu ça tantôt. Ouais, on arrive. Ouais. Tu sais, grand quand même. Bah ouais, c'est pas. On est dans les wagons. Voilà. Eh ben, je pense qu'on arrive tout doucement à la fin de l'exploration de l'usine où on réparait les wagons de chemin de fer. Si on n'est pas rentré, là, on va passer par là. De toute façon, on peut sortir. On peut bien faire qu'on peut sortir par là, je pense. Et vous, c'est gonflé, là, fais attention. Ouais. C'est comme ce que je travaillais avant, ça. C'était plein de petits morceaux de bois comme ça. Des pièces de rechange ou quoi là-bas. Thank you.
saoulait. Ils ont fait un trou dans la paroi là. Il y a une porte et il n'y a pas accès de l'autre côté. Là, il y a même un interrupteur. Là, si vous voulez aller voir, vous pouvez aller voir. Il y a fait un passant là. On va savoir s'il passe. Si je passe, Christian, tu passes. Ah non, t'es quoi ? Ah ouais, non, non. Ouais, on revient là. J'ai vu, je me souviens plus du thermo. Enfin, dis-moi ce qu'il en reste. Ouais, c'est ça. Ouais, gardez ça comme le plancher est soulevé. À cause de l'humidité, à mon avis, il pleut dessus. On avait ça à l'usine aussi. Eh ben, je pense qu'on est arrivé jusqu'à la fin de... Bon, on va filmer jusque tant qu'elle s'éteigne. Hein. Bah, c'est ma faute, hein, j'aurais dû prendre mon. Ah, c'était pas prévu de filmer ici, c'est moi qui vous ai un peu poussé aussi. Non, non, mais c'est bien, c'est bien. Bien fait, non, franchement, que... c'est nickel. On va passer là. Non. Ça va. Peut-être que vous passez, mais on va. Ah oui. Je pense que je passe. Non, non. Pas mal. Non. Je l'ai pas mal non plus. Pac-Man. Pac-Man. Et à côté, c'est Durex. Mm-hmm. Une marque de wagon, ça. Quoi? Durex. Une marque de wagon. De wagon. Ici. C'est autre chose? Bon, on va aller voir. Sortir par là. Ouais. Étagère. T'étais voir là, non? Ouais, mais... Non, ça c'était peut-être le bureau du boss. Peut-être, avec des boiseries au mur. Avec des boiseries tout au... tout le tour. Avec des beaux châssis en bois. Ah ouais, un double châssis pour isoler correctement. Ah ouais, ça c'était sûrement le boss. Du bas, ici. Ah ouais. Bien, bien à l'écart du bruit et tout. On a stock de pelouse, on sort et tout. Ouais. Ça, c'est que je joue au golf. Hein. La toilette perso. Une toilette perso, ouais. Et ben voilà. Nous voilà à l'extérieur du bâtiment. C'est immense. Il y a encore un petit peu, si t'as encore bâti, tu peux encore filmer un petit peu la tour de côté. Ouais, ben, je vais filmer jusqu'à temps qu'elle se coupe. Hein. J'ai encore de la place sur ma carte, hein, mais c'est ma batterie. Hein. Un trou. Ah ouais. Je pense que
tape pas trop là, sur cette planche là. Au mieux de la jambée, je crois, celle-là. Ouais. Passer à côté, en fait. N'importe. Ici, je crois que je n'avais pas encore le train à passer à l'époque. Je crois qu'il y avait une ligne ici. Donc, pour soutenir son bord. Ah oui. Ah ouais, c'est bien possible. Hein. Dégager comme ça. Ouais. Ça, ça s'appelle une bite d'amarrage. Ouais, mais ça, c'est quand c'est vers l'époque où la mer venait encore jusqu'ici avant qu'elle ne sortir. Ma mère? Ouais. Alors, ils attachaient des bateaux autour de ça. C'est possible qu'elle est venue ici. Ouais, autour des Mérovingiens. C'est le temps des Vikings, ils accrochaient leurs drakkars. Je me demande bien comment ça se fait qu'il y avait. Les trucs de police là. Non, c'est que les trucs ont été scellés. Par des gens, on a dit, on pense. Gros, ça a été scellé ou quoi. Il y a eu. On ne sait jamais. Et tu fais un casse ou quoi. Ouais, ben ouais, peut-être qu'ils ont retrouvé des choses volées ou quoi. Ça va. Et pour retrouver quelqu'un là-dedans. C'était pas con. Ouais, il y avait des trains ici. Tu te souviens, enfin, je me souviens qu'il y avait un petit, une fois on avait pris le chemin, tu prends les deux ponts, ouais. Et puis après que tu longeais, t'as le petit chemin, alors qu'on commence, je dirais, ben, c'est qu'il y avait la Berzène, je me souviens qu'une fois on avait pris par ici, on avait coupé par là derrière, il y avait le train ici, on passe en dessous des trains, je viens pas de ça. À l'époque, on était avec Milou, le Fox Terrier. J'étais gamin. Hein. Et on passait ici, donc il y avait des trains. Maintenant, on ne veut pas aller plus loin. À mon avis, c'était quand même un cul-de-sac. Mais à mon avis, stocké, trois gonds, quoi. Ouais. C'était le gaz pour découper au chalumeau, le bonbon de gaz. Vous voulez monter sur le toit? Ouais, j'habitais il y a 7 ans, j'étais venu en échec.
te rends compte, Christian, tout ce qu'il a fait et qu'il ne t'a rien dit quand il était jeune? Ah ouais, hein. Ouais. Bah, il te le racontera quand... Eh ben, on arrive au véhicule, on va vous laisser. Encore merci de nous avoir regardé jusqu'à la fin, j'espère. Et n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne et sur mon Facebook. Allez, ciao, à la prochaine. Et sur sa chaîne aussi.